Salut, salut, on est ensemble pour une nouvelle vidéo sur Uncharted 4, l'épisode, on est au chapitre 16, l'épisode je sais pas combien, donc regardez en bas de la vidéo, c'est décrit sur le descriptif. Donc je vous le dis en avance, n'oubliez pas, des petits pouces ça fait toujours plaisir, ça motive grave et ça fait plaisir. Et surtout, parlez-en à vos amis qui kiffent le jeu vidéo, voilà. Il faut venir sur Gaming, faire partie de la famille. Tout simplement. Bon, pour ceux qui sont en live, bah, bienvenue à vous et puis on va continuer notre aventure ensemble. Voilà, parce que moi je fais des doubles, pour ceux qui ne le savent pas, je fais en même temps le live et en même temps la vidéo pour le YouTube. Je fais les deux, la vidéo YouTube et le Twitch. Voilà, c'est bon, c'est dit. Je n'ai plus rien à dire. Maintenant, on va commencer le live. Je vais baisser le son comme ça. Voilà, bah ça c'est bon, c'est très joli. Et voilà, on est en route, on est parti. Alors, donc là, il est tombé sur la tête, je sais pas au précédent épisode, là. Donc là, il est dans un rêve, donc on fait partie de son rêve. À mon avis, il est en train de penser à quelque chose qui lui est arrivé. Bon, Tu veux je parle récupérer ta plus. veste? Non, 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 non. Allez, on continue d'avancer. On continue d'avancer. J'avance, j'avance, ne t'inquiète pas. Alors, on va aller dans la baraque, je pense. On va aller faire des petites. Ben, genre, je frappe à la porte aussi, banquier. Frappe à la porte, si tu veux rentrer en effraction. Quelle idée j'ai. Mais quelle idée as-tu? Il est où mon frangin? Ah, il y a un petit secret. Un petit secret. Ouh, lolo. Un petit bonhomme en bois, un petit jouet. Le petit jouet en bois. La vache. La Et tu vache, crois que qu'est-ce ça qu'il y coûte a? combien un endroit pareil? Bah ça coûte des pépettes. Ça coûte des pépettes. Le million peut-être. Il y a un autre secret ici ou pas? Non. Putain, c'est joli quand même. Hein. Ce jeu est d'une beauté absolue. Gigantesque, exceptionnel. Voilà. Ça sera tout pour le moment. Alors, mes amis, nous allons avancer. Tac. Tac-tic, touc-tac. Tic-touc, on y va. On avance. Voilà. Mais genre, je peux rentrer par la porte, mais tu vas passer par où? T'es parti où, frangin, là? Elle est partie où mon frangin? Elle est partie par là? Ah. Il est dans le coin, il est dans le coin. À moins que j'ai pas regardé. Allez frangin, t'es où? Hey Nathan, Ah, il est là. regarde là. Il y a une fenêtre qui est ouverte. Ah, Allez. voilà. Putain, c'est quoi cette demeure? Demeure de psychopathe. Allez hop. Mais moi, j'y arrive Ok. pas. Donne-moi ta main. Aide-moi. Voilà. Beau gosse. Super, tu t'en sors bien. Allez hop. Putain, tu vas me donner la main à chaque fois. Tu m'as laissé en galère, frérot. T'es pas gentil. T'es vraiment pas gentil. Ah, d'accord, ok. Hop, hop. Il est où le hibou? Tu viens, Nathan? Attends, je cherche le hibou là. Il est où le hibou? Non, il est pas là. Putain de hibou. Je voulais voir le hibou moi. Attention, j'ai Wow. peur là. Qu'est-ce qui se passe? Flippant. Ouais. Tiens, C'est j'en ai une flippant! deuxième. Alors attends. Alors, est-ce qu'on cherche une pièce en particulier? Essaie de trouver des livres, des carnets, de la documentation, des journaux. De la Ce genre de documentation. truc, tu vois? J'ai une tête à lire. Non mais attends. J'ai une tête à lire. Déjà à l'époque je regardais les films. Je regardais la version quand il fallait rendre un exposé à l'école. Je prenais un livre où il y avait un film dessus. Comme ça je regardais le film et je faisais le résumé du film. Qui ne l'a pas fait?
Qui ne l'a pas fait? Non, rien ici. Rien du tout, hein. Bon, alors, il y a des pompes. Si tu veux des vieilles pompes. Des raquettes de l'an 30, là. Putain, c'est manche, la raquette. Vous pouvez faire des trucs bizarres avec. Il est long, le manche. Alors. D'accord, ok. Et tu pourrais écrire encore plus petit. Parce que là, j'y vois pas grand-chose. Parfait. Donc, on va avancer un petit peu. Parce qu'on n'est pas là pour... Qu'est-ce qu'il y a là? On peut pas passer. T'es parti où? T'es parti où, Frangine? Oula, qu'est-ce qu'il y a ici? Montre-moi ce qu'il y a. Oh là, il y a une trappe. On peut descendre en bas. Laisse-moi ouvrir. On peut pas l'ouvrir. Moi, je pense que j'ai oublié quelque chose à cause de mon frère. Pourquoi t'es toujours par là en train de regarder? C'est qu'il y a quelque chose. J'ai entendu un bruit. Vous avez pas entendu un bruit aussi? Mais viens par là, Coco, on va voir la porte. Non, on peut pas l'ouvrir. T'es chiant, frangin. Tu pourrais bien indiquer ce qu'il faut faire. Parce qu'on vient de cette fenêtre. On va pas ressortir par là. Bon, attends, là ici, il n'y a plus rien. Là aussi, tac tac, on a déjà fait. Ah, une petite boîte ici, on avait oublié celle-ci. Alors, il y a quoi dans la boîte? Non. Non, non, tu me dis Je crois qu'on toujours trouvera non. rien dans ce grenier. Bah voilà, Y a enfin. que des vieux trucs pour voyager et faire du camping dans ces boîtes. Bah ouais, je savais bien qu'il fallait passer par là. Je le sentais. Et c'est parti. Allez, on y va. On y va. Vamos. Oula. Alors, Attention. comment on les retrouve? Quoi, les carnets de maman? Bah je sais pas Tu moi. t'en souviens pas? Bah non. J'utilisais toujours une reliure en cuir blanc cassé. Ouais, ça je sais, mais cet endroit est tellement grand. C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Comme chercher une aiguille dans une meule de foin. C'est un proverbe qui est très connu. Et ben voilà, du cuir blanc. Sam, Ah, j'en ai trouvé un. C'est un bon. voilà. Non, c'est pas un carnet de maman. Non, non, T'avais c'est l'idée, pas non? ça. On continue. C'est pas du tout ça. Ah, on se fait un petit bab. Frangin, viens là, on va faire un baby-foot. On continuera l'aventure plus tard, on fait une pause là. Ah. Viens ici, frangin. Hey Sam, tu vas croire que je suis fou, mais on dirait un vase de la dynastie Ming. Attends, qui serait assez stupide pour laisser traîner un vase de la dynastie Ming dans une de ses pièces? Ouais, Je sais pas. t'as raison, c'est sûrement une contrefaçon. Bah oui, évidemment. Ok? Ok. T'as une tête, frangin, tu ressembles plus à mon frangin quand il est grand. Tu ressembles plus à mon frangin quand il est grand. Ça fait bizarre, j'ai l'impression que c'est un Je peux pas inconnu. bouger. Bien, on va pousser à deux. T'es prêt? 1, 2, 3, 4, go again, 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 again. Wow. On dirait une sorte de sarcophage, non? De On Toutankhamon. dirait. Le T'as vu Toutankhamon. ça? Cet endroit est carrément rempli de sarcophages. De De sarcophage. sarcophages. Ouais, parce que tu as ta mal dit là. Qu'est-ce que Sam, c'est que ce truc-là? c'est du Sam. sérieux. Où est-ce qu'on est tombé là? Allez. On va Dans voir une plus loin. maison, je sais pas, je sens. C'est avec des trucs comme ça partout. C'est pas une maison de voleurs. Donc là, regarde ce qu'ils ont encore. Ils ont un autre truc là où ils se font des câlinous. Et celui-là, il te parle? Coquinou. Je crois que j'ai déjà vu un truc dans le même genre. Des personnes allongées,
C'est étrusque. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Hommes et femmes enterrés ensemble. C'est bizarre. C'est très très bizarre, ouais, tout à fait. C'est magnifique. Ouais. Ah, attends, il y a un truc à voir ici. Le dieu rat. Ouais, le dieu rat. Cool. C'est le dieu rat, non? C'est pas ça? C'est ça ou pas? Ouais, ça doit être sûrement ça. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien du tout. Rien. Là, le tableau, je peux regarder quelque chose là-dessus ou pas? Non, il n'y a rien non plus. Et la Samouline, Samouline. Y a rien ici, attends. Allez hop, tac, tacouille, tacounaï, super génial. Ah voilà, là c'est mieux. Salut à toi Kiki, Kiki 59, tu es sur le live, sur Twitch. Ouais, j'espère que tu vas bien. Donc là on continue notre aventure avec les deux frangins. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien à regarder ici. Hein. Je sais pas ce que tu cherches, mais... ouais, attends. Nous, on vient d'où? On vient de là, je crois. Je sais même plus d'où on vient. Je n'étais pas concentré. Ouais, si à Babyfoot, il était là. D'accord. Donc, frangin, viens, on va monter à l'étage. Par là. On va regarder ce qu'il y a ici. Ah voilà, il y a un petit trésor. Donc il y a un avion en bois. Donc tout à l'heure j'ai eu l'espèce de capitaine en bois. Là j'ai l'avion en bois. Donc voilà. Hop. Ok. Attends, il y a quoi ici? Petite boîte. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte? En voilà un autre. Je crois que là ils sont à la recherche du carnet de leur mère. On va le tourner. Non. Non, c'est pas ça. Je dirais qu'il s'agit d'un ancien lave-linge séchant de Mésopotamie. Ah, j'ai toujours eu le sens de l'humour, je le sais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Y a rien, pas de petits secrets. Regardez là, tac tac, y'a rien. Parce que là y'a quoi? Des boîtes de conserve, des bouteilles. On va se boire une bouteille de pif, non j'ai pas envie. Alors, là non plus, pas grand chose, sopalin, tout ça. Hé, hey, Nathan, regarde-moi. Alors qui je suis? Hein? Le docteur Livingstone? Oh t'es nul. Sympa. Ok. En fait, les deux frangins, c'est des petits voyous depuis le début. Hein. Dès qu'ils étaient jeunes, c'était déjà des voyous. Des pans petits voyous. Ils rentraient comme ça chez les gens, sans taper à la porte. Ils passent par la fenêtre, il y a une fenêtre ouverte, alors on est passé par la fenêtre. Alors, on va où? Hein? Alors. Si tu pouvais aller où tu veux dans le monde, où est-ce que tu irais? Où je veux? Où tu veux? Où je veux? Brésil, Thaïlande, je sais pas moi. Dans le sud de la France, ça peut être pas mal. Espagne, Portugal, Italie, tout ça, ça peut être bon aussi, c'est génial. Alors, lui, je pense qu'il va se rappeler de quelque chose, il va se retrouver. C'est parti. Quand je gagnerai l'euro million, je ferai ça. Ouais, on visitera le Taj Mahal. Vas-y, fais-le encore. Ça tourne. Oh, ça tombe toujours au même endroit. Union soviétique. On part pour Moscou. Ça risque d'être un poil difficile pour entrer. Mais j'ai toujours rêvé de voir la place rouge. Allez, encore une dernière fois. L'Angleterre. C'est sûr que ce serait cool de voir le château de Windsor. T'es d'accord, Sam? Hé, ne regarde pas comme ça. C'est pas ma faute si t'étais pas encore né. De toute façon, je me rappelle pas grand chose. Ah, il fallait tomber sur l'Angleterre, je suis sûr. C'était pas si génial. Est-ce qu'ils doivent y aller là par rapport à ce qu'ils ont découvert? Allez, une petite dernière fois, juste pour le plaisir. Le Brésil.
Ah bah Là, voilà, ça ça m'intéresse. c'était mon Il y a premier choix. tellement d'endroits inexplorés dans la forêt tropicale. Bah voilà, Il y ça a c'est aussi bon. beaucoup de tribus inconnues avec des flèches empoisonnées. Mais non. Ouais, Bah tu vois, on peut plus le c'est faire, pas faux. voilà. Le Brésil, c'est Monte Gostoso, le Brésil, Monte Brasileiro. Allez, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant? Hé, regarde ça. Voir ta tête, je vois pas ta tête. Non mais montre-moi ta tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, arrête de jouer à cache-cache avec moi. Montre-moi ta tête, putain, il veut pas. Là, le truc, ça veut pas. Attends, éclaire-moi, frangin. Ah non, on peut pas voir sa tête, hein. C'est con, c'est dommage. Bon, mais c'est rien. Attends, je vais reposer mon casque. Il fait chaud là-dedans. Ah bah oui, c'est clair. Top moumoute. Hein. Bon, il y a d'autres trucs ici, non? On a tout fait. Hein. Et non, la porte ici, on va pas l'ouvrir. Ah, j'ai vu un truc ici. C'est quoi ça? Je viens de lire celui-là. Ah ouais? Et alors, il est bien? C'est assez hallucinant. Ça raconte l'histoire de la première femme occidentale à avoir visité Lhasa. Ok. Je l'ai pas lu moi ce livre. Je sais même pas si c'est un livre qui existe vraiment. À votre avis, est-ce qu'il existe vraiment? Ah, il y a un truc ici. Des totems de fertilité. Oh, elle a des gros T'es un nénés, peu hein. trop jeune pour t'intéresser à ça. Elle a des gros T'es nénés pas un qui peu trop vieux pendouillent. pour faire ce genre de blague? Non, on n'est jamais trop vieux. Voilà, attends. On va passer par là. Qu'est-ce que c'est que Waouh! ça? Cette table est aussi grande que celle du réfectoire de l'orphelinat. Ouais, Il c'est paraît que la bouffe clair était que c'est meilleure ici. balèze. Ouais, ça c'est pas difficile. Eh bah dis donc, ils ont dû organiser des fêtes de folie ici. Ouais. À en voir les artefacts, je dirais qu'ils avaient largement les moyens. Ils ont dû faire la fête comme des petits fous En tout là-dedans. cas, ça doit faire un bail que Avec de leur nom la a été mousse et indiqué. tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire par là? C'est peut-être le livre de sa mère. Attends, on va voir. Non, c'est pas sûr. Il est pas blanc, en cuir blanc. Wow, c'est Le Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie. J'ai toujours voulu le voir, ce film. Ouais. Et là, il y a quoi ici? Putain, c'est énorme, Une armure de tournoi, hein. sûrement Ouais. française. Alors, qu'est-ce qu'il y a Hé, hey, par là? tu ferais mieux de pas trop t'approcher des fenêtres avec ta lampe torche. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. C'est pas con, frérot, c'est pas con du tout. Donc, allez, vas-y, on va bien fouiller comme il faut. Comme il se doit. Là, il y a un bouquin ici, on va regarder ce que c'est. Toute seule maintenant. Ouais, d'accord. Adventure Life. Un gong de dragon. Ça doit Non. venir d'Asie du Sud-Est. Sympa. Tout à fait, Jean-Claude. Regarde ça. Alors, Une ça c'est quoi? boussole, un cadran Ouais, putain, le solaire. mec. C'est la maison d'un aventurier là qu'ils sont allés. Ils sont dans la maison d'un aventurier. On dirait, hein. Après, non, ça c'est par là. Pourquoi il cherche le calepin de sa mère? Sachant pourquoi il le cherche ici. J'ai dû louper quelque chose dans la story, ou alors j'ai oublié. Non, pas vers la fenêtre, il a dit, quoi, mon frérot. Ça c'est quoi ça? Hé, hey, regarde, ils ont même ton livre préféré. Ah bon? Lequel? Les Ton pirates. encyclopédie de référence, Histoire générale des plus fameux pirates. Tu veux dire l'histoire générale complètement inventée? Même le nom de l'auteur est bidon. Qu'est-ce que tu veux que je lui demande? Bidon ou pas, on dirait bien une édition originale. T'es pas sérieux? Tu sais, cet endroit, c'est... Waouh! Est-ce que tu veux qu'on l'emporte? Non. Ce serait vraiment dommage qu'il s'abîme dans mon sac. Mais tu pourrais le vendre. Comme ça, t'aurais pas besoin de prendre ce boulot. Écoute, pour ce soir, on va déjà se contenter de récupérer ce qui nous appartient, ok? Allez, on va récupérer ce qui t'appartient, tout de suite même. Alors, on va par où? Moi, je sais pas aussi qu'il faut aller, hein. Non, mais ici, on a tout fait, hein. Non, ici, il n'y a plus rien. Alors,
Y a pas l'une des portes là qui pourrait s'ouvrir? Non, ah, il y a l'étage du dessus qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Ah voilà, on va se faire l'étage du dessus. Donc regarde bien, tac, tac. Ah, faut quand même visiter un petit peu le tableau, tout ça, tac. C'est magnifique, c'est magnifique. On est bien, on est bien. Là ici, ah, on peut peut-être monter là-haut, non? Il y a des trucs là-haut, pas. Attends, je vais pas vers les fenêtres, sinon je vais me faire griller. Ah, tiens, il y a un truc ici. Samouraï. Hey, tu reconnais le signet? Les feuilles de rose trémière. Attends, ne me dis rien surtout. Le clan Tokugawa. Le clan Ouais, bien joué. Tokugawa. Tu Oh là t'imagines là. à la place de celui qui a découvert toutes ces choses? Ok. Putain, ouais, c'est clair, on a découvert beaucoup de Non, choses, c'est hein. pas ici qu'on trouvera les journaux de maman. On Non, devrait non. peut-être On devrait peut-être aller monter à voir à l'étage. l'étage. Tout à fait, mon petit frérot, on va monter à l'étage. Allez, vas-y. Assis un truc là. Non, vas-y, y'a rien. Voilà, éteins-moi ça. Éteins-moi ça si on va se faire griller à cause de la musique là. Allez, voilà, vas-y, on se dépêche, on se dépêche. Dépêche-toi, frérot. On va être dans la merde là. C'est Putain, ouais, fermé. c'est fermé, ouais. On est à la galère là. Les affaires de maman sont peut-être dans une de ces pièces. Faut trouver un moyen d'entrer. Par la fenêtre. Ah, il faut tout leur apprendre à ces enfants. Ouais, par quel moyen tu vas aller dans la chambre? Ouais, il y a un trou là, exact. Exact, frangin. Ah non, la bouche d'aération. Ah. Petit coquinou. Petit coquin, on a trouvé la comment faire. Mais à mon avis, je devrais déplacer quelque chose, c'est ça ou pas? Tu vois ce conduit? Ouais, Là-haut. je l'ai vu avant toi, hein. Ah ouais, il pourrait nous permettre d'accéder à la pièce en dessous. Pas nous. Toi. Quoi? Bah, moi je Ah, rentre pas là-dedans. tu vas me faire la Tu peux courte le faire? échelle. Tu rigoles ou quoi? Vas-y, fais-moi la Tu crois courte. que tu peux le faire? Super. Allez. Et bah qu'est-ce que t'attends alors? Bah, aide-moi à monter, non? Ouais, génial, je vais aller où avec ça? Mais frangin, viens m'aider là. Qu'est-ce que t'as montré là ici? On va pouvoir grimper. Viens voir. Aide-moi avec ça. C'est bon, t'es prêt? Voilà. Un appareil photo. Ouais, fais voir. Il a l'air de fonctionner. Hé, approche. Et souris pour une fois. Ah putain, que ce vieux Polaroid, c'était mortel ça à l'époque. La perds pas. Ah, c'était terrible cet appareil à l'époque. Allez, secoue encore plus que la couleur revienne. Allez, secoue-moi ça! Je pense que c'est nickel là. Attends encore un tout petit peu. Soit plus net, non ou pas? On peut même être plus net que ça? Non, c'est parfait. Voilà, rangé. Hey, fais attention. Hey, tombe pas. C'était déjà un chat quand il était jeune, hein.
Attends, merde. Je crois qu'il y a un système d'alarme là, vous avez vu? Si, je vais essayer de l'éviter. Ah non, mais là, c'est chaud. Hein. Je vais passer un système d'alarme, mais bon, ça a l'air. Hein. Voilà. Allez hop, on va dans la chambre. Mais non, c'est pas par là. Par là. Ah, voilà. Vas-y, mon petit frangin. Ouvre-moi ça. Tac, tac. Allez. Allez, allez. Il en a mis du temps. C'est quoi ce truc? C'est un labo, quoi. Ça y est, j'y suis. Allez, ça y est, il y est, on y va. Deux secondes. C'est quoi ça? Tac. De la codéine. Il y a beaucoup d'antidouleurs. Ah, il y a un truc ici là. Non, ça c'est une lettre, je vais la ranger. De ce côté aussi, c'est fermé. Regarde autour s'il n'y a pas une clé qui traîne. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver une clé? Dans un tiroir déjà pour commencer, ça pourrait être pas mal, non? Ah bah voilà. Ok. On va tester la clé. Ouais, est-ce qu'elle ouvre toutes les portes? Non, moi déjà on va faire ici. Il veut pas qu'on fasse l'autre porte. Non, t'as trouvé? Il y a pas de journaux là-dedans. Ok. Il nous reste encore une porte à déverrouiller. Viens. Ah, c'est chaud. Hein. Il va leur arriver des pépins là. Genre la clé elle passe partout. Ça doit être ça. Hein. C'est une clé qui marche sur toutes les portes. Waouh. Eh ben voilà des journaux. Il y en a plein partout on là va des journaux. Ça de plus près. Hop. Attends, attends. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer, putain. C'est quoi ce foutu bordel là? Ils rangent même pas leur bureau. Waouh. Sam? J'ai trouvé les journaux à maman, putain, c'est trop bien, on a trouvé les journaux à maman. C'est génial. C'est Sniff alors. Voilà, ils ont trouvé les journaux de maman. C'est super génial. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Waouh. J'ai les yeux qui piquent. Les richesses du paradis? Les richesses du paradis, ok. Merci beaucoup. Madagascar, donc let's go on a night. Joseph Burns. Non mais je peux pas tout lire. Evelyn a acheté auprès d'un collectionneur la première édition de l'histoire générale des fameux pirates, en même temps qu'une liasse de documents du XVIIIe siècle. Parmi ceux-ci, j'ai trouvé une lettre très curieuse d'un certain Joseph Burn. Joseph Burn. T'aurais pu trouver un nom un petit peu mieux, quoi, parce que Joseph Burn... En espagnol, ça aurait donné Joseph Corones. En français, Joseph Couille. Voilà quoi. Qui m'ont seulement
Ah putain, attends. Joseph Burns, ça m'a traumatisé. Donc, Kimon seulement reconnaît être un membre. Qui non seulement reconnaît être un membre de l'équipage du navire d'Henri Avery, mais qui en plus donne des indices sur l'immersion. Trésor d'Avery. À quoi d'autre les richesses du paradis peuvent-elles faire référence? S'il a envoyé sa lettre en prison, il est évident qu'il n'avait pas le trésor avec lui. Alors où est-il? Je dois suivre sa trace depuis le début. D'accord, et après? Je dois suivre sa trace depuis le début, d'accord. J'aime plus où j'en suis. Ça va trop vite. Je suis la trace de l'attaque d'un légende des. Une légende de la carte derrière, note sur la lettre. Bon, d'accord. Ok, bon. Vous avez peut-être toi là devant l'écran, t'as eu le temps de lire, je pense. Plus vite que moi en tout cas. Moi je suis un petit peu lent, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hein. On est là tranquille, on se prend pas la tête, c'est tout. On va pas se prendre la tête. Et voilà, c'est tout. On se prend pas la tête. Tranquille, tranquille, tranquille. Bon, je vais pas vous remettre. Eh, tu vas me laisser tranquille. Ah, une autre Henri page. Avery. L'attaque du Gunsway. La taxe du Gunsway. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Je l'ai jamais vu, celui-là. Ouais, t'as raison, moi non plus. Est-ce que... Oui, c'est bien l'écriture de maman, ça. C'est l'écriture de maman. Non, l'air, jeune gens. Tout doucement. Oula, attendez, Oula, c'est pas nécessaire. Eh la vieux, tu vas te calmer tout de Mettez suite là, tu vas te votre arme calmer sur tout de moi. suite. Tu vas me prendre mon journal. D'accord. C'est, ah, je sens trop un truc, c'est leur mère, non? Tu vas me Désolé, rendre maître. mon journal. Tu vas me rendre mon journal, c'est leur mère. What the fuck? Et maintenant? Maintenant, on attend l'arrivée de la police. Attends, attendez, là c'est trop Vous important êtes comme vraiment scène. sûr de vouloir vous impliquer C'est ça? trop C'est trop pas... important Arrêtez, comme scène. gâcher la vie de deux enfants, ça risque de vous torturer un bon bout de temps. J'aimerais mieux éviter de vous tirer dessus. S'il vous plaît, madame, laissez-nous partir. On n'a fait de mal à personne. Vous devez apprendre à assumer les conséquences de vos actes. Alors je reste et il part. Je l'ai amené ici pour qu'il puisse voir les affaires de notre mère. C'est tout, il a rien à voir avec tout ça. Quoi? Je vous dis que c'est moi le responsable. Non. Les affaires de votre mère? Oui, ce journal, il appartenait à notre mère. Vous êtes les fils de Cassandra Morgan? Oui. Bonjour. Oh mon Dieu. Mais j'aurais pu vous tuer. Oui, et d'ailleurs, vous le pouvez encore, alors... vous permettez? Vous connaissiez notre mère? Elle travaillait pour moi. Comme vous l'avez sûrement constaté, je suis une grande collectionneuse. Ben, avec tout ce qu'on a vu, c'est peu de le dire. Et donc, maman était votre traductrice? Votre mère était l'historienne la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Nous aurions pu faire tant de choses ensemble. Mais elle est tombée malade. Désolée. Non, vous en faites pas. C'est arrivé il y a très longtemps. Elle a fait tant de découvertes. Mais celle-ci aurait été son plus grand triomphe. Sic parvis magna. La grandeur des petits débuts. La devise de Sir Francis Drake.
Ouais, le latin et les personnages historiques. C'est de ça qu'on parlait à tous les dîners. On était une drôle de famille. Vous avez-elle parlé de ces théories concernant Sir Francis Drake et ses héritiers? Sir Francis Drake n'avait pas d'héritier. C'est ça. Ouais. Ça, c'est la version officielle de l'histoire. Mais votre mère et moi avions une autre théorie. Découvrir les secrets de ce vieux pirate est encore une aventure à laquelle je dois renoncer. Je dois renoncer à tant de choses. Pardonnez-moi. Les divagations d'une vieille femme. Tenez. Il vous appartient tout autant qu'à moi. Et qui sait? Peut-être que vous parviendrez un jour à terminer ce qu'elle avait commencé. Aïe, 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 aïe. Ouais, donc... vous nous laissez partir, hein? Oui, je vais m'occuper de la police. Vous avez réussi à entrer. Alors vous trouverez bien un moyen de sortir, hein? Ouais. Attendez. Oh. C'est très gentil. Désolé pour le désordre. Mm. Bon, allez, tu viens, Nathan. On y va. Oh. Eh, vous allez bien? Oh, putain de merde! Non, 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 non! Hé! 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 Sam? Sam? Oh, c'est pas vrai! La police! Est-ce que ça va? Nate, il faut qu'on parte! On peut pas la laisser là! Si! Il faut qu'on se tire d'ici! Mais il faut qu'on fasse quelque chose! On peut plus rien faire pour elle! Allez, il faut qu'on y aille! Si jamais les flics nous trouvent ici, ils vont... Madame? Nathan! Il faut qu'on y aille! Tout de suite. Oh merde! Par là, la fenêtre, allez! Ça va être Tandax. Là, là, je sens que c'est Tandax ou Nax. Okay. Toi, tu vas voir l'étage. Toi, viens avec moi. Oh, ils sont dans une embrouille alors qu'ils devraient pas être là, là. Dépêche! Attends. Vas-y, monte avant qu'on te voie là. Allez, allez, allez. Allez, allez. Faut pas qu'on vous voie, les mecs. Putain, mais c'est trop pour ton petit frère là. Oh, faudrait, c'est pas possible. C'est pas normal tout ça. Attention, ça va être dangereux. Sam, je te rattrape. Allez, saute. Allez, allez, allez. Monte, 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 monte. Tiens, la cheminée. Viens, j'arrive. Allez, descends. Le portail n'est pas surveillé. Le portail, compris. Ok. Allez. Ça va bien? Et toi là? Plus un geste! Allez, on court! Vas-y, cours, cours! Par ici! On va les semer! Ici l'officier Murphy! Nous tenons les deux suspects d'un cambriolage, deux hommes, l'un adulte, l'autre mineur! Plus un geste! Nom de Dieu! Vite, 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 vite! Les mains sur la tête! Arrête-toi, bordel! Faut faire demi-tour! Allez, allez! Barre-toi vite, Nathan! Tu ne fais qu'empirer la situation! Allez, on y va! Appelle des renforts! Ça y est, c'est fait! Bien tenté! Putain! Mais non, je crois que j'allais sortir là! Laisse-moi partir! Oh, laisse-moi partir! Ah non! Putain, je crois que j'étais en train de sortir là! Allez, on y va! Appelle des renforts! C'est fait! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Tu vas avoir des gros problèmes, fille! Oh non! Attends!
Attends. On va y arriver, on va y arriver. En fait, faut pas se faire choper. Alors, 1, 2, 3. Appelle des renforts! Ça y est, c'est fait! Allez hop! Bien tenté, non. Putain, il m'a fait flipper encore, l'enfoiré là! Ils me font toujours flipper là! Faut qu'il se calme un petit peu là! C'est quoi ce délire? Attends. Allez, on y va. Appelle des renforts. Oh, mais l'autre, il me laisse pas tranquille! Mais laisse-moi tranquille! Eh, je vais le faire combien de fois? Je vais le faire combien de fois ce truc-là? Putain, c'est simple en fait, c'est simple, c'est trop easy, trop facile. Allez, on y va! Appel des renforts! Ça y est, c'est fait! Dernier avertissement! À terre, les mains sur la tête! Je te tiens! Oh merde! Non, laisse-moi tranquille! Mais putain, je suis coincé. Eh, je suis dans un bug. Vous avez vu un peu le bug? Ça, c'est un vrai... Ah non. Non, mais laisse-moi tranquille, putain. Il veut pas me laisser sortir. Il veut pas me laisser sortir. Putain, c'est galère, là. C'est quoi ce délire? Pourtant, c'est simple. Allez, on y go. Ok. Vite. Oui. Allez. Sur la moto, vite, la moto. Allez, brrrm! Allez, on y go! Ciao, ciao, la picaille! Voilà, il a réussi, enfin! Wouah! Ah, c'est beau là! Fou, putain de merde! J'ai envie d'aller dans la ville là-dedans là! Putain, ça, je pense pas qu'on va aller, on va y aller, mais. Je crois qu'on est tiré d'affaire! Qu'est-ce que c'est beau derrière! Bon, et si on prenait un peu notre souffle? Hein? Ouais, je pense qu'on va un petit peu se calmer là. Parce qu'avec toutes ces cette excitation, cette folle poursuite par les flics. Sacrée nuit, pas vrai? C'est clair. Nuit. Ouais. Cette vieille dame. Eh, écoute-moi bien. Ce qui est arrivé n'était pas notre faute. C'est pas de ta faute, mon tu petit. Sais, hein. Cette vieille dame. Elle devait y passer, hein. C'était son heure. Malade. Elle devait y aller. C'est normal que tu te sens pas bien, mais on aurait rien pu faire pour elle. C'est triste, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je peux pas retourner à l'orphelinat. Bah déjà tu vas te réveiller de ton cauchemar tu peux là. Pas retourner au boulot. Alors on s'en va. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis sérieux. Ok, on met les voiles et on s'arrête pas avant d'être vraiment, vraiment loin. D'accord. Et la police nous retrouvera en un rien de temps. Sauf que la police recherchera Nathan et Samuel Morgan. Bah, nous, quoi. Plus pour longtemps. Nathan, quand on était là-bas, tu as démontré que tu en savais autant sur tout ça que cette pauvre vieille dame. Écoute, j'ai toujours pensé qu'on était promis à un destin extraordinaire. Mais jusqu'à ce soir, je savais pas pourquoi. Mais ça, tu vois, le travail inachevé de maman, c'est une opportunité de tout recommencer à zéro, avec une nouvelle identité. De quoi est-ce que tu parles? Je connais deux ou trois types, plutôt doués pour faire de faux papiers. Pour ce qui est de notre nouveau nom, eh ben, maman pensait que Francis Drake avait des héritiers. Qui peut prétendre le contraire? Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Nathan Drake. Tu plaisantes, là? T'es sérieux? Nathan, tu vois pas que c'est notre destin? Je peux te promettre
que toi et moi, tous les deux. On ira super loin. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Nathan Drake. Plus rien n'a été pareil après ça. Et on a fini par devenir des explorateurs, des aventuriers. Et plus exactement des voleurs. Ok, mais arrête de bouger. Et pendant un moment, j'avais l'impression que... les seules fois où on n'allait pas en prison l'un après l'autre, c'est les fois où on y était en même temps. Alors, quand je l'ai perdu, je voulais... ou plutôt quand j'ai cru que je l'avais perdu. Tu voulais pas faire ressurgir ce souvenir. C'est à peu près ça. Je t'ai tout dit. Tu sais tout maintenant. Te connaissant, ça m'étonnerait que je sache vraiment tout. Mais... merci quand même. Dis-moi ce qui te trotte dans la tête. Je me dis que t'as vraiment eu de la chance que je t'ai trouvé quand je t'ai trouvé. Ouais. Je suis bien contente que tu sois juste un peu amoché. Sinon, j'aurais vraiment galéré pour te sortir de là. Mais comment t'as fait pour... comment tu m'as trouvé ? Oh, c'était facile. J'ai eu qu'à chercher d'où venaient les coups de feu. Non, je veux dire, comment t'es arrivé là ? Ah, bien sûr. Tu me reçois, Sully ? Salut, ma belle. Comment il va ? Oh, tout va bien. Il est un peu assommé, mais il est vivant, comme à chaque fois. Maintenant, va falloir aller chercher le deuxième Drake. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nate va te raconter. Salut, vieux. Content que tu sois là. Oh, je voulais pas rater ça. Il est où, Sam ? Raif l'a emmené. Merde, tu sais où ils sont ? Oui. Je sais qu'ils se dirigeaient vers le nord de l'île. Essaie de trouver un endroit où te poser dans ce coin-là. Une fois qu'on aura Sam, faudra qu'on puisse se tirer d'ici en vitesse. Bien sûr. Hé ! Qu'est-ce qu'on fait du trésor ? Laisse tomber. Trop compliqué. Mais Alcazar ? Non, en réalité, y a aucun Alcazar. C'était des conneries. Attends, tu veux dire que... la dette, le... l'évasion ? Oui, Sam a tout inventé. C'est qu'un sale enfoiré. Bon, je te raconterai tout ça en détail quand on se retrouvera, d'accord ? Ouais, j'ai hâte. Allez, faites pas de conneries. Tu nous connais. Pour toi. Merci. De rien. Non, je veux dire... merci de m'avoir sauvé. À nouveau. J'ai failli pas réussir cette fois. Je sais. On décolle ? J'ai trouvé un véhicule. Alors ? On se dirige vers le nord de l'île, si je comprends bien. Donc voilà, on est à la... au chapitre 17. Donc, le trésor doit se trouver là. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Bon, allez, à très bientôt. Portez-vous bien. Et pour ceux qui sont en live, je reviens tout de suite. Ciao, ciao.